Salut à tous, salut à toutes, c'est Dirk36 pour la suite et peut-être fin. Non, je déconne, j'arrête de dire ça parce que je me suis lamentablement brouté la dernière fois, mais c'est quand même bien parti et je crois que j'ai compris comment on construit un titan. En fait, il faut que j'avance dans la recherche, c'est-à-dire que je dois aller au niveau 3 de la construction de titan qui me permet ici d'avancer dans la construction comme c'est écrit en bas. Ça sera utilisé pour améliorer les lasers visiblement. Donc, si je balance ça là, après, tout à l'heure, on devrait voir. Attendez, mon usine de titan était sur cette planète, sur Zikina, pour être précis. Donc voilà, on est à la moitié. Donc, la prochaine tranche de recherche devrait nous amener jusqu'à 75%. Donc, au niveau de l'avancée militaire, bah là, on saute sur le système Apollo, là, avec une flotte. On va voir ce qu'on va y trouver. Je me souviens même plus si je l'ai déjà attaqué. En fait, j'ai déjà attaqué parce que ça fait une semaine que j'ai pas retouché au jeu, du coup. J'ai pas vu la fin du let's play, je m'en souviens plus. Enfin, je l'ai pas revu. Alors écoutez, bah on va. Là le jeu est en pause, comme vous pouvez le constater, on va relancer la partie maintenant. Alors, des pauses, voilà. On est en vitesse 1. Oui, il me semble que j'avais déjà sauté dans le système et puis que j'avais réparé ma flotte. Phase jump complete. Ah ouais, là ils sont en train de construire. Réparer une usine à titan ou de construire quelque chose. Ok, alors il balance ici. On a un capital ship qui balance des chasseurs. On lance les nôtres et puis on va lui sauter directement dessus. Ready for the front lines. Ok, il y a encore du monde qui arrive. J'avais des gens ici. Ouais, qui étaient en train de finir de nettoyer le système. Ça va très bien. Et là, j'avais construit quelques. Voilà. J'ai quelques troupes ici. Au niveau des finances, on est plutôt pas mal. Recherche. Oui, bon, bah d'accord. Des boucliers. Des meilleures manœuvres. Un meilleur blindage. Ah, je peux pas. Il faut que j'aille encore plus de stations de recherche. Ce que je pourrais faire d'ailleurs. Je sais pas si là j'ai la place par exemple. Probablement, ouais. Donc militaire. Et puis au passage, est-ce que je dois construire des choses en plus ici? Ouais, des chasseurs. Ça, c'est fait. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a le champ de mine, là. C'est peut-être pas excellent. Lui, il va chercher à se tailler. Ouais, c'est le cas. Ici, c'est une frégate de construction. Bon, bah, ils vont attaquer ce qui reste dans le système, maintenant. Donc, ça, c'est toute ma flotte. Ouais, ils ont quand même pris, hein. Ils ont quand même pris. Alors, au niveau de la recherche, on va vérifier cette histoire de titan, c'est bientôt construit. On va pouvoir enchaîner avec la suite même d'ailleurs, parce qu'on va le construire ce titan. Ouais, je peux vendre un petit peu de métal au passage. Ouais, pas mal d'argent. Hein. Les défenses, recherche civile. Du cristal en plus. Ouais, le trou de verre. Structure complete. Ah, ça améliore les frégates de construction. Et ça, tac tac tac, améliore les éléments rien du métal au marché noir. Ouais, d'accord. Bon allez, on va arrêter d'acheter un peu tout et de n'importe quoi. Je vais d'ailleurs même acheter un petit peu de cristal. Hein, je suis un peu en rade. Ok. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le monde qui se replie ou quoi? Ouais, les boucliers sont en bas. Bon, ça va, le capital ship, il est ok. Ah oui, parce qu'ils ont peu, je leur ai pas désigné de cible. On va attaquer leur usine de titans. Là, il y a les chasseurs qui sont en train de nettoyer les sites périphériques. Ah bah voilà, notre allié a fait un titan. C'est pas mal, il est en train d'attaquer par là. Et puis ici, plus personne n'attaque. Essayez de me prendre ça. Ah, normalement. Est-ce que j'ai des troupes d'ailleurs ici? Grand classique, attaquer sans troupes. Mais là, je suis en train de confondre avec Distant Worlds. Je suis en train de confondre. Ah là là. Ok. Est-ce que je peux coloniser d'ailleurs? Je pense que je devrais d'abord tout détruire.
On va construire encore des bombardiers. On a la place, ils ont dû se faire détruire. Bon, là, c'est le système qu'on doit contrôler pour gagner la partie. Ici, j'ai rien de construit. On va en construire quelques frégates. J'ai le fric. On va se faire 4 ou 5 Kodiak. Voilà, des Cielo. Ok. Puis je vais gentiment balancer tout ça. C'est que j'avais du renfort de troupes. Bon, je peux regarder ici, c'est plus simple. Bon, ça c'est notre... Ils sont en train d'attaquer ici ce système. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hein, je peux pas me balancer sur la planète, voilà, comme ça. Ils sont en train de tout détruire. C'est là où j'avais du rab. Donc eux, on va les envoyer là-bas. Voilà. Ah oui, puis d'ailleurs, on n'a même pas vérifié. Voilà, ça avance. Donc il nous reste plus qu'une tranche, qui est peut-être même déjà découverte. Non, il y a ces autres recherches qui se passent avant. On va laisser les boucliers se terminer. Ça, on va enlever. J'aimerais qu'il attaque tout de suite sur le Titan. Voilà. C'est le Titan qui part. Cool. Bon. Alors, ce que je sais pas, c'est s'il est construit après ça, ou si la construction commence tout court. Non, il est construit après ça, normalement. Ouh, je suis tout excité. Ça va avancer. Ou par contre, il faut que j'améliore ma logistique de flotte. Tac. Ça me permet d'avoir plus de capital ship. Ok, c'est parti. Ça va me coûter cher en entretien de l'équipe. Il passe de 38 à 47%. Je gagne combien par tour? Je suis à 13. J'ai même augmenté, c'était 11, si je m'en souviens bien. Qu'est-ce qu'il est? L'aide est là. Je sais pas ce que ça veut dire. Quoi, qui? Quoi, comment? On verra bien. Alors ici, elle s'est débrouillée comment, ma flotte? Ça va. Ils perdent pas leur bouclier, c'est tout bon. Ok. Et là, c'est tout bon, je peux pas coloniser? C'est en route, là. Ah non, lui, il peut pas coloniser. Il ne peut pas coloniser. On va construire ici un colony ship, là. C'est les Protef. Ok, ça s'annonce bien. Voilà, on est aux deux tiers. À nous le Titan. Là, j'ai des... Non, j'ai aucun vaisseau. Aucun vaisseau, ici. Ils sont en route, normalement. J'en ai ici quelques-uns en plus. Début d'escorte pour le Titan. Ok, on va essayer d'avancer gentiment par là. Ici, ça nous appartient. Dès que j'en aurai terminé avec ce système, bah, on va gentiment aller vers les violets. Puis ensuite, on sautera de là. Et bam, avec la flotte de Titan. Et on va tout niquer. Enfin, j'espère. Ah bah c'est bon. Il manque plus que le Protef là. Est-ce qu'il est construit? Non, pas encore. Ça construit ou pas? J'arrive pas à m'en rendre compte, j'ai pas l'impression. Ah parce que, voilà. J'ai pas assez de logistique de flotte. Et là, il reste c'est à 70% maintenant. Tout se tient. Ok. Les Titans. Oh. Alors. Ouais, ça avance lentement. Allez plus. Je peux aller plus vite. Allez hop, on accélère. Je suis au max. A friendly fleet has arrived. Okay. C'est pas ça que je voulais voir en plus. Et voilà. Le Titan. Attends, je vais me remettre en vitesse normale. Bon, ça a l'air de rien comme ça, mais comparé aux autres petits vaisseaux, enfin, va falloir y aller pour le buter. Bon. Vous savez que voilà, il y a l'escorte qui arrive au bon moment. Vous voyez la taille de l'icône par rapport aux autres. Par contre, ça bouge lentement, hein, le truc. Oh là là. Il a l'air méchant.
Il a l'air très très méchant. Ah, il y a des capacités spéciales. Matrice de destruction. Alors, tac. Les frégates, les capitales chiffres, les structures, tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent encore en plus? C'est un burst puissant d'interférences électromagnétiques qui balance des dégâts sur le temps à tous les ennemis environnants. Ok. Et puis, ils ne peuvent pas utiliser leurs habiletés spéciales pendant une courte période. Défense furieuse. Hein, on se répare plus vite, etc. Et puis, shield group. Oh, voilà. Cool. Un bouclier à tous. Bah alors, ça et ça. Ah, moi, j'ai pas regardé les autres. Structure fortifiée. Oh là là. Bon. Très, très bien. On va tous les mettre ensemble. Une petite flotte. J'aimerais bien avoir comme dans Distant Worlds. Je sais pas si on peut voir la puissance de la flotte chiffrée. Ça c'est quoi? C'est pas la puissance de la flotte ça. Je pense pas. Non. C'est celle du vaisseau qui est... Où il y a le capitaine ou en tout cas où la flotte est marquée. Mais c'est pas un indice de la puissance totale de la flotte. Ok, alors où est-ce qu'on va l'envoyer? Elle peut aller s'entraîner gentiment par là-bas. À la limite, on pourrait même fusionner. Ouais, je pourrais. Je crois que je vais faire ça. On va les amener là déjà. Ok. Et puis là, on a colonisé? Non, pas encore. Ah, mais il n'y a pas le. J'ai pas envoyé le Protef. Protef, il doit être censé être là. Voilà, il est construit. Tu vas aller me coloniser cette histoire. Et puis la flotte, on va l'envoyer, je sais pas moi, par là. On va acheter un œil. Oui, il y a beaucoup de trucs là ici. On va déjà les envoyer ici. Ok, Titan Nounet, il est où? Il a déjà sauté? Ici. Ah ouais, il est là. Le plan, c'est que vous alliez par là. Avant l'essai du Titan. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire de bien en attendant? Au niveau recherche, oui. Alors, logistique de flotte, je peux avoir encore deux capitales. Ah, je pourrais me construire un petit capital ship, histoire de... recherche civile. Ah, voilà, le consumérisme. On le pousse. Pour aller plus loin, il me faut plus de points en consumérisme. Et puis là, tac, 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 c'est tout pour extraire ça mieux. Raffinerie orbitale. Ok, c'est pour le commerce. On va voir. Puis des gros cargos. Bon. Je peux pas encore les utiliser parce qu'il faut que j'aille la raffinerie orbitale avant. D'ailleurs, comment ils s'en tirent, nos amis, là? Mince, je me gourre. Attendez, je voulais bouger la map, voilà, ici. Bon, là, on a tout nettoyé, c'est bon. Puis, c'était pas un call, hein. Lui, il peut pas me coloniser cette histoire-là aussi, ou quoi? Non, d'abord, on doit démolir la planète. On a fondé une nouvelle colonie, ça, c'est notre Protef qui a fait le job. Donc, tac, tac, tac. On peut pas plus, très bien. Broadcast, allez hop, ça sert pas à grand chose en fait, un très bon. Et puis de la défense, je regarde plus trop à la défense là, faut que ça avance. Il me faut plus de logistique de défense sur la planète, deux en plus. Tac, encore des chasseurs, encore des tourelles gosses, et voilà. Ensuite, pour se défendre. Et voilà. Alors ici, on a nos amis qui sont en train de blinder l'histoire. Ah non, on va avancer encore. C'est prévu. Très bien. On est en train de bombarder la planète là, mais on a juste le capital ship là qui est dessus. D'ailleurs, hop, on va l'améliorer. Et lui, c'est un, voilà, le TDN Vanifax. D'ailleurs, on s'était dit
un qu'il fallait un peu construire un capital ship. Et moi, je veux un call. C'est lui qui peut donc coloniser. Oh, puis non, on va changer. Lui, il a des... qui c'est qui fait mal au combat? Ouais, le Marza. Ouais, allez, un petit Marza. Et puis, là, on est prêt. Oh, il y a l'autre titan qui arrive. Ouh, ça va être méchant. Allez, on va sauter directement là. Tant pis. On envoie tout le monde déjà. On avance. Ici. Ok, c'est parti. Accélérons. Planet development finished. Ok, je crois que c'est même mes alliés qui vont choper le système, c'est pas grave. Oh, c'est pas grand monde. Voilà, il s'enfuit. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils attaquent pas là, je les ai mis. Ça, c'est pour se déplacer. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils sont pas plus agressifs. J'ai peut-être pas le... Ouais, donc juste moins vite. Oh, on va... je voulais juste voir le titan, comment il se débrouillait. Oh, il tire de partout. Vous voyez la taille des frégates à côté. Là, c'est des percherons, hein. C'est donc des porte-avions. Ils sont ridicules à côté. Tire. Bon. Oh, la taille des lasers. Allez, on va tout mettre ensemble. Allez, attaquer. Bon. Je crois que ça va aller vite, là. J'ai même envie... d'aller tenter le coup, d'aller voir déjà comment c'est. On va se balancer autour de cette étoile. Et toute la flotte, on va la bouger ici. Pendant ce temps, je vais construire encore ici quelques frégates. Des croiseurs. Ok, je peux vendre du métal. Voilà, comme ça j'aurai une autre flotte qui se constituera ici au cas où, que je pourrais envoyer à travers cette étoile. Voilà, ça saute ici. On va un peu plus vite. Oh oh, par contre. Peut-être que je calme ma joie là. Parce que là ça a l'air blindé. Oh mon dieu! Ah! Il y a du capital ship là aussi. Oh là là. Ah, on va sauter dans cette cacade. Ah là là. Ouvre-les par là. Attendez. Voilà. Stop. On va essayer de coordonner. Ok. Il saute ici. On va peut-être un peu moins vite. Et puis on va essayer de voir ce que ça donne avec le titan. Je sais pas. Ça m'intrigue, on va voir. Bon, ça fait 20 minutes là qu'on est ensemble et... peut-être que non, ça va pas être bon pour la suite. Mon dieu! Il y en a combien? Il y a vraiment beaucoup, hein. Comment ils arrivent à maintenir toute cette flotte? Oh là là, vous voyez le... Oh, mais il y en a des dizaines et des... Ouïe. Bon. On va voir. Il y a des amis qui devraient arriver. Ce serait pas mal que mes alliés arrivent aussi. C'est Star Wars, là. Oh, comme c'est méchant, tout le bordel qu'il envoie sur un vaisseau, il le déchire tout seul. Là, voilà, en 10 secondes. Bon, les amis, vous venez ou quoi?
voyez là en haut un peu le rapport. Théoriquement, je suis censé être plus fort, mais... Oula, ça c'est des Kodiak qui prennent. Voilà, de l'autre côté. Ah là, c'est les Shrinken qui arrivent. Ouh là là, il envoie la purée, le mec. Oh putain. Fallait pas emmerder Nana. Hein. Oh là là, j'ai un peu peur pour lui quand même, là. Il a pris déjà pas mal au niveau des boucliers. Oh, mais il y a trois Capital Ship qui débarquent. Vous venez par là. Ouh là là, non. Il a encore ses shields qui tiennent, mais il se fait harceler de partout. Vous allez voir qu'ils vont me le défoncer, quoi. Il y a trois Capital Ship dessus, là. Hein. Vous allez là-bas, sur les Capital Ship. Mon Dieu. Ah. Ça, c'est encore... Ça, c'est mon Capital Ship. Ouh là, ça a sauté. Non, les shields, ils tiennent. Ils sont à 1200 sur 2800. Ils ont perdu plus de la moitié des shields. Mais là, tout le monde s'est replié. Je les fais contourner par là. Je voulais pas les faire traverser le champ de mine. Ils ont tous sauté. Hein. Bon, puis mes alliés sont là-bas. Bon, très bien. Quand vous voulez. Allez, les shields, ça tient. Il me semble qu'ils sont tous un peu éparpillés là. Ok. Ils ont fait le tour, eux, ils s'en prennent plein la tête. Ouais, bravo. C'était un peu de ma faute. On va rassembler toutes les flottes. Il n'y a plus que des chasseurs. Si j'attaque directement leur base de défense. Allez, go. Je sais pas avec les mines ce que ça va donner. Ça, les bases de défense, c'est quand même méchant. Oh là là. Il en est où mon titan? Est-ce qu'il prend beaucoup? Il prend toujours. Hein. Et puis tout cela là, oh là là, je vois ça en train de tomber comme des mouches. Hein. Oh là là, je suis très inquiet. Oh, vas-y. J'aime quand il fait ça. Alors, ouh, mais là, je peux les augmenter. Quoi? Les shields sont en bas. Les shields sont en bas. Non, je peux pas. Je vais les renvoyer là-bas. Ah non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt là, j'ai toute ma flotte qui a pris, j'ai mon titan qui est à quoi, 80% de shield. Ah, ça c'est quoi? Non. Il n'y a pas un truc qui augmente les superstructures, très bien. Voilà, ils sautent tous. Ah ouais, ils ont bien pris cher. C'est là qu'on se dit que c'est bien que j'ai construit quand même quelques renforts ici. D'ailleurs, on va continuer à construire. Là, j'ai de la caillasse. J'ai de la caillasse. Parfait. On va se prendre un call. Encore. Et puis... Un petit peu de tout. Hein. Oui. Parce que finalement, toute ma flotte est regroupée là. Où est-ce qu'il en reste maintenant? Oh là là. Ouais, il me semblait bien que c'était beaucoup. Bon, là, j'ai des alliés. Est-ce que j'ai un Protef qui traîne là pour leur dire d'aller là? Voilà, vous allez aller là-bas. Ici. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à construire? Tiens. Ok. Je peux déjà envoyer ce que j'ai construit là. Et on balance. Toutes sur cette planète. Ready for the front lines. Qui peut aussi construire d'ailleurs un petit peu, deux, trois trucs. Ah ouais, mais j'ai plus d'argent là. Bam, bam, bam. Times of war. Oh, du Kodiak. Ok.
Voilà, on rentre un peu là qui entre les jambes. Je leur ai fait du mal, hein, c'est d'accord, mais... Oh, ils sont tous revenus, là. Mais en tout cas, ma flotte avec mon titan contre 3 capital ships, il leur a quand même montré qui était le patron. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ouh. Bon, je pense que là, je vais quand même mettre une bonne couche en plus. Et ça devrait passer sans trop de soucis. Bon, si vous regardez Distant Worlds, vous verrez que mes prédictions sont... voilà. Pas souvent très juste. tac. Bon. Bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Probablement l'avant-dernier. Allez, on s'encourage. et voilà quoi. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.